C'est autour d'une marche sportive que les membres de l'association des ressortissants du village Bamengui, dans le Onkam Kekem, résidant à Douala, ouvrent cette année sportive 2020-2021 dans la ville. 6 km à pied, partant de Bonassama pour la boulangerie du Rail, tout ceci dans une ambiance plutôt bon enfant. Les membres de cette association se sont vus accorder l'occasion de faire participer leurs enfants à cette cérémonie qui vise le rassemblement du peuple bamengui à Douala. L'importance d'organiser cette marche sportive, qui est la première après le Covid, c'est pour rassembler tous les fils bamengui vivant à Douala, fils, petits-fils, qui puissent reconnaître leurs frères, leurs sœurs, parce que de plus en plus, on s'est rendu compte que nous sommes en train de perdre nos cultures. Et ce n'est pas le sport que nous pouvons retrouver nos identités exactes. L'idée de la marche sportive des ressortissants bamengu résidant à Douala tombe à pic en ce moment où les populations camerounaises doivent bagarrer avec le confinement dû à la COVID-19 qui, depuis environ 2 ans, plonge le monde dans la panique totale. Si monsieur le chargé de sport pour organiser ça une fois en 3 mois, parce que le sport c'est un médicament sans argent. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup que monsieur le président de l'AFPA s'en charge à organiser cette marche une fois en 3 mois. Ça a enlevé avec notre âge, là, déjà 60 ans. Dengue, là, dans le climatisme, on sent déjà que c'est en train de disparaître avec cette marche. Moi, je me sens plus jeune. Je retrouve encore mes 16 ans, 18 ans. Alors, je prie mes jeunes petits frères, mes fils, d'organiser ça vraiment d'une manière quotidienne. Après 6 km de marche ponctuée par des arrêts d'étirement, chute la boulangerie du Rail à Ponabiri. Le sport, activité primordiale de l'association des ressortissants bamengu résidant à Douala, est tout aussi un régulateur de santé. D'après le conseil de l'OMS, 3 fois semaine, c'est de la façon naturelle. C'est de la façon naturelle, bien pour sa santé. Le sport est la mère de tous les médicaments. Et avant de sortir, pour dire que marche à pied, l'athlète, avant de sortir chez soi, doit prendre un peu de quelque chose, c'est-à-dire le bonbon, le biscuit, et ne jamais laisser l'estomac de peur qu'il y en a qui peut tomber en hypoglycémie. La marche cumulée des membres de l'association ainsi que des enfants de ceux-ci est une initiative du chargé de sport saluée par le président de l'association. Dès la prise de mon mandat dans cette association, je me suis décidé que tout ce que l'association doit proposer, et la culture et le sport, et tout ce qui se compose de l'association, doit le mettre en pratique. C'est pour cela que, en ce jour, vous avez vu que l'ASPA, ils sont là devant moi, ils sont engagés, ils sont décidés de sortir massivement pour assister à cette marche sportive. Et je dis merci. Du côté des membres qui ont pris part à cette marche sportive, la satisfaction est au bout des lèvres. Mes sentiments sont très bons. Dans la mesure où ça a bien débuté, nous avons fait un parcours de 6 km avec un arrêt au lycée polyvalent, étirement. Par la suite, nous avons continué
dans de bonnes conditions jusqu'au niveau de la boulangerie du rail. Nous avons commencé à Bonassama et arrivé à la boulangerie du rail, ça fait presque 6 km. 6 km, ce n'est pas du chocolat. Vraiment, nous remercions le bon Dieu qui nous a protégés. Et nous disons que vraiment, personne n'est tombé au bout du chemin, personne n'a fléchi. Et on rend grâce. Vraiment. C'est une tradition qu'on est en train de perpétuer. Les pères fondateurs ont créé la SPAT. Nous, on est en train de prendre le relais. Les autres sont derrière nous. On peut vous dire merci. Merci pour Michel, merci pour l'artiste. Vous, les artistes, vous nous avez mis à une dimension où il faut seulement le courage pour avancer. Une initiative qui pourra en appeler d'autres. En tout cas, vive le chargé des sports et vive l'association des ressortissants Bamengui résidant à Douala. Retrouvons-nous à la prochaine activité sportive de ASBAP.